100 000 personnes ont été évacuées de l'est de la ville de Rafah. Israël a commencé lundi l'évacuation dans le sud de la bande de Gaza, où l'armée prépare une offensive d'ampleur dans sa guerre contre le Hamas. Craignant un bain de sang parmi les civils, les capitales et organisations internationales s'opposent à l'opération annoncée sur Rafah, qu'Israël affirme indispensable pour anéantir les derniers bataillons du Hamas. Benjamin Netanyahou a de son côté promis de lancer cette offensive, quelle que soit l'issue des discussions en cours par l'intermédiaire des pays médiateurs, pour tenter d'imposer une trêve associée à la libération d'otages retenus à Gaza. L'Ihtilal israélien a informé les gens qu'ils allaient à Rafah. Israël a demandé aux gens d'aller à Rafah. Il dit que c'était une zone sûre. Aujourd'hui, l'armée nous demande de quitter Rafah. Où iront les gens? Où iront 1,5 million, voire 2 millions de civils? Devront-ils aller à la mer ou partir après nous avoir dit qu'il s'agissait d'une zone sûre? Ils veulent commettre un génocide, c'est ce que nous avons compris. L'armée avait auparavant annoncé encourager les habitants de l'est de Rafah à se déplacer vers les zones humanitaires élargies, précisant que les appels à bouger temporairement vers la zone humanitaire seraient relayés par tracts, SMS, appels téléphoniques et messages en arabe dans les médias. Selon des habitants, des tracts largués sur les quartiers est de Rafah dans la matinée avertissent que l'armée israélienne s'apprête à agir avec force contre les organisations terroristes et que quiconque reste dans la zone met en danger sa vie et celle de sa famille. Nous sommes réveillés depuis 2h du matin à cause des bombardements et nous nous sommes réveillés le matin pour trouver une pluie torrentielle. Nous nous sommes noyés sous la pluie, nos vêtements et nos objets aussi. Nous sommes désormais dans la rue. Nous nous sommes également réveillés avec des nouvelles bien pires. L'appel à évacuer Rafah. Le plus grand génocide aura lieu. La plus grande catastrophe aura lieu à Rafah. J'appelle l'ensemble du monde arabe à intervenir en faveur d'un cessez-le-feu, qu'ils interviennent et nous sauvent de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes fatigués et nous en avons assez. L'armée a assuré avoir élargi la zone humanitaire à Al-Mawasi, à une dizaine de kilomètres de Rafah, où sont installés notamment des hôpitaux de campagne, des tentes et un volume croissant de nourriture, d'eau, de médicaments et autres. Le Hamas a pour sa part indiqué lundi avoir l'intention de continuer à négocier une trêve dans la bande de Gaza. La délégation du Hamas au Caire, repartie pour Doha dimanche soir, doit être de retour en Égypte mardi pour achever les négociations.